Monsieur le ministre, lors du dernier voyage du président Paul Kagame ici à Brazzaville, un certain nombre d'accords ont été signés et parmi ces accords, il y a un accord qui a été mal compris par les Congolais. Il s'agit d'un accord qui autoriserait à une société rwandaise d'exploiter les terres congolaises sur une durée de 25 ans. Monsieur le ministre, l'occasion vous est donnée d'expliquer aux Congolais ce dont il est question exactement. Bon, déjà, il faut corriger une chose. Il ne s'agit pas d'une société rwandaise. Il s'agit d'abord d'une société de droit congolais dont les actionnaires au niveau du consortium sont au Rwanda, premièrement. Et il faut bien comprendre le concept. Il ne s'agit pas forcément de dire, comme je l'ai entendu ici et là, que nous donnons des terres aux Rwandais. L'État ne donne pas ses terres et l'État ne les vend pas. L'État met à disposition, par le mécanisme donc de baux emphytéotiques, donc des espaces de terre à des sociétés. Et ce n'est pas une première au Congo. Nous avons, si je prends par exemple dans le département de la Sanga, nous avons donné des hectares et des hectares à des sociétés malaisiennes pour faire l'exploitation forestière. Donc ça ne veut pas dire que parce que nous avons mis à disposition ces espaces de terre à des sociétés malaisiennes, que l'État a donné ou l'État a vendu des espaces de terre. Nous avons antérieurement, dans ce même pays, mis à disposition à des sociétés sud-africaines dans le département de la Bouenza des hectares et des hectares pour faire la culture de maïs. Bon, il n'y a pas eu tous les mois que j'ai pu entendre dans le cadre donc de la mise en œuvre de ces différents accords. Dans le cadre du dossier rwandais, il s'agit d'une société de droit congolais à qui nous avons mis à disposition donc des espaces de terre pour faire donc la culture du ricin, parce que nous avons un projet avec la société Eni. Il faut le savoir, la société Eni qui veut développer donc des biocarburants et l'approvisionnement dont Eni a besoin pour développer le biocarburant, c'est le ricin. Et il faut savoir que les Congolais ne sont pas exclus à ce projet. Je tiens à le dire, les Congolais ont tout à fait leur place pour eux également développer la culture du ricin. Et je dirais même que c'est un projet qui est tout à fait ouvert dans la mesure où vous avez, c'est un fait assez rare, un partenaire qui vous dit d'entrée de jeu, la culture de ricin qui sera produite, je vais l'acheter intégralement parce que j'ai besoin de cette culture pour développer à travers donc les agro-hubs que Eni va mettre en place, le biocarburant que je vais exporter pour mes raffineries. Donc il s'agit en réalité d'un contrat qui est tout à fait classique et je tiens à rassurer le peuple congolais, puisque ça je l'ai entendu aussi, qu'il y aura une main-d'œuvre abondante étrangère qui viendra du Rwanda. Il n'en est pas du tout question, puisque dans l'accord tel qu'il est rédigé, je le cite, c'est l'accord tel qu'il est rédigé, je le cite, c'est l'article 2. L'article 2 dispose de façon claire que la main-d'œuvre dans le cadre de ce projet est essentiellement nationale. Donc nous avons fait ce projet parce que nous avons pensé également qu'il permettrait de créer des emplois principalement pour les Congolais. Donc j'invite les Congolais à s'inscrire pleinement dans ce projet et eux aussi à développer la culture du ricin parce qu'il y a un partenaire tout indiqué qui est prêt à l'acheter et c'est un projet qui est, à mon sens, très intéressant pour notre pays.